après ça, tu veux les chevaux. Cette image est l'expression de la souffrance de notre Seigneur quand Pilate l'abandonna à la foule en furie. Rappelons-nous les quelques moments où toute cette foule criait « Crucifie-le, crucifie-le, nous n'en voulons plus !» Et chez Homo, « voici l'homme des douleurs !» Notre Seigneur souffre un martyr dans son cœur et dans son corps. Il souffre pourquoi ? Il souffre pour nos péchés. C'est nous les coupables de cette mort du Christ en croix. Et là, avec Pilate, nous voyons ce Jésus tout triste, tout meurtri, abandonné par tous, moqué, raillé, humilié, abandonné, sauf dans la foule, sa très sainte mère, sa très sainte mère. Elle a pu approcher un peu plus près quelques personnes de bonne volonté. Elle disait, c'est la mère du condamné, c'est la mère du condamné. Laissez-la passer, laissez-la venir jusqu'à son fils. Et d'autres disaient, mais non, c'est pas la peine, puisque c'est un scélérat. Et puis sa mère le regardait avec tellement d'amour que c'était pour lui la seule consolation dans ce moment si difficile. C'est dire combien la très sainte Vierge a été cette consolation du cœur de Jésus à ce moment si triste, quand il fut abandonné à la foule en furie pour être crucifié. Et chez nous, voici l'autre. Alors nous, de notre côté, nous essaierons de passer cette journée en esprit d'amour envers notre Seigneur, d'amour et de réparation. Nous allons essayer de faire un grand acte d'amour et de réparation pour demander pardon pour nos péchés personnels et pour les péchés de ceux que nous aimons, de ceux avec qui nous vivons. Et bien nous allons demander pardon et miséricorde. Pardon et miséricorde. Et c'est certain que si nous savons le demander avec tout l'amour de notre cœur, nous obtiendrons ce pardon et cette miséricorde qui vient du cœur du Christ abandonné, du Christ humilié, du Christ qui nous aime tant. Jésus, notre Seigneur, péché au nom.